Vous vous posez des questions sur nos comportements sexuels aux Antilles. Quelle est la place de la maîtresse? Quels sont les comportements sexuels? Le carnaval est-il une période de débauche? Le sexe est-il dans nos départements tabous? Eh bien, pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Erol Nuissier, psychologue et auteur du livre « Psychologie des comportements sexuels aux Antilles ». Et c'est tout de suite, et c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antilles et nos confrères de la presse sont présents. Parmi nous aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV et EFM RTL, sont présents. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, cette semaine, comme je l'expliquais il y a quelques instants, nous recevons M. Erol Nuissier, psychologue et auteur du livre « Psychologie des comportements sexuels aux Antilles ». Bonjour M. Nuissier, bienvenue dans les studios de TV, de FM à Jarry. On va embrayer tout de suite par une question, tout simplement, on va commencer par André-Jean Vidal. Première question. Parlez-nous du viol de la femme noire, parce que la femme noire, bon, elle est violée à bord du bateau, elle est violée par le maître, elle est violée par le commandeur. Après l'abolition, ou au moment de l'abolition, elle est violée parce qu'elle est un peu, elle est dans la nature, quoi. Elle ne sait plus où elle va aller, elle n'a plus de cadre bien précis. Comment peut-on, après tout ceci, tous ces drames, se reconstituer en tant que femme? C'est ça. Effectivement, les remarques que vous faites sont excellentes, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le temps. Il y a une série de brutalités dont sont victimes les femmes, et on comprend aussi aujourd'hui pourquoi les femmes antillaises sont aussi déterminées. Parce qu'il y a, je veux dire, il y a deux possibilités, où vous finissez par vous tuer, ou vous résistez, et vous ressortez de ça. D'où un moment d'ailleurs cette idée de la femme couteau-mitant, parce qu'il fallait absolument se battre et montrer qu'on existe et qu'on peut tenir un foyer. Aujourd'hui, on est un peu dans une autre situation où elles ont toujours à cœur d'être reconnues, mais pas dans la reconnaissance de la blessure, mais la reconnaissance de leur capacité. Donc, on est dans une autre phase actuellement. Blaise, une question de FM RTL. Alors, ce sera une question d'abord générale, parce que l'ouvrage, cet excellent ouvrage « Psychologie des comportements », vous vous attachez dans cet ouvrage à déconstruire des idées reçues. Tout à fait. Hein, vous déconstruisez par exemple l'idée reçue de la parentalité créole où l'homme serait irresponsable. Et vous faites allusion à ce qu'on appelait à l'époque de l'esclavage, le nègre à talent qui lui avait les moyens pour pouvoir assurer sa responsabilité parentale. Est-ce que les moyens matériels, étaient une condition à ce qu'ils assument leur responsabilité parentale? Alors c'était effectivement un moyen, mais ça n'était pas le seul. C'était un moyen parce que c'est vrai que pour exercer une fonction parentale, il faut avoir les moyens économiques. Mais ce n'était pas le seul parce qu'il y avait une reconnaissance sociale. C'est-à-dire le talent était reconnu, faisait d'eux autre chose qu'un esclave. Troisième chose, c'est des gens qui avaient un minimum de liberté, qui pouvaient aller se vendre, donc gagner de l'argent à titre personnel par rapport à leur propre action, et non plus demeurer esclaves. Et ces trois capacités faisaient qu'ils pouvaient avoir cette fonction de père et que les enfants pouvaient les reconnaître comme père et que les femmes les reconnaissaient aussi comme le père de leurs enfants. Donc ces trois conditions sont nécessaires pour exercer cette fonction de père. Alors comme je veux avoir un droit de suite, je vous pose la question suivante qui est reliée à la première. Pourquoi cette image du père créole irresponsable perdure-t-elle? Elle perdure parce que d'une part, nous méconnaissons notre histoire. Notre histoire est vue de manière, à travers un prisme, toujours l'éternel esclave, l'éternelle souffrance, parce que justement, cette image, cette identité, je pense au livre d'Esther Benbassa que je cite d'ailleurs, cette idée du nègre esclave et martyr du monde entier, finalement, nous va bien, parce qu'au moins, elle nous exhorte, je dirais, de faire des efforts pour changer. Par ailleurs, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que cette image, je dis qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à notre histoire et on ne la travaille pas, nous nous laissons mener par des gens qui ont une vision, je dirais, caricaturale de ce qu'a été notre histoire. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc allons vers la complexité, allons vers ce que nous sommes réellement et cessons d'être, comme vous l'avez dit, dans la représentation de nous-mêmes, voire même dans la caricature de nous-mêmes. Vous pouvez nous donner quelques exemples de caricatures? Premier exemple de caricature, c'est imaginer
que tous les nègres étaient esclaves. Il y avait aussi, effectivement, une très large majorité de nègres esclaves, mais il y avait aussi des nègres qui étaient eux-mêmes propriétaires d'esclaves. Je pense à quelqu'un comme Toussaint Louverture, qui était propriétaire d'esclaves. Mais Victor Schœrcher, y compris lui-même, était propriétaire d'esclaves. Parce que c'était l'époque où c'était le moyen, je dirais, l'outil, entre guillemets, l'outil humain pour travailler la terre. Vous n'avez pas de machine à vapeur, vous n'avez pas d'outil, il faut bien que vous trouviez des moyens. Donc c'est d'abord un système économique. Autre élément, dans la caricature toujours, c'est d'imaginer que systématiquement les femmes étaient violées par les maîtres et que systématiquement elles étaient violées par tous les hommes. Violées par les maîtres, c'est vrai. On sait qu'effectivement, statistiquement, chez une femme de 16 à 40 ans, elle avait, je veux dire, presque 8 chances sur 10 d'être violée par son maître, mais était violée par les commandeurs, mais peu par les autres esclaves, hommes esclaves, qui, au contraire, les protégeaient. Autrement dit, les relations des hommes et des femmes esclaves étaient associées à une relation de solidarité, et que le viol de la femme noire était, bien sûr, du maître, mais aussi du commandeur, qui, lui, était une façon que le maître utilisait de manière habile pour pouvoir maintenir son pouvoir, c'est-à-dire que le commandeur, en satisfaisant ses besoins sexuels, ne s'opposerait pas à son maître. Donc il continuerait avec la protection de l'esclave. Et oui, et oui, 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 c'est ça qui est important. C'était beaucoup plus complexe que l'on ne veut donc le montrer. Aussi bien sur la Martinique que sur la Guadeloupe. Ou alors, pas seulement la Martinique, la Guadeloupe, mais également les autres îles, parce que le travail que j'ai fait, on l'a vu aussi en République dominicaine, en Haïti, à Cuba et dans d'autres îles. Effectivement, je me suis aperçu que le système autre fantasme, c'est cette idée que les maîtres, je dirais, utilisaient les esclaves pour faire des enfants. Pas vrai, pas vrai. Cela s'est fait pendant à peine 10 ans, à la Barbade, en Martinique aussi, et en République dominicaine. Mais même pas 10 ans. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas. Le temps qu'une femme, je dirais, fasse un enfant et l'élève, il n'est pas utilisable, entre guillemets, parce que l'homme est une machine. Il va exploiter immédiatement. Par conséquent, très rapidement, ce choix a été abandonné. Donc, c'est ce fantasme d'augmenter une production, en fait, quelque part. Non. Par ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que les hommes étant plus endurants à l'ouvrage que les femmes, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et par conséquent, la possibilité de construire des couples était faible du fait de la différence et de la proportion. D'accord. André Jean Vidal, une question de France Antique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la femme potomitan. Est-ce que cette femme potomitan, n'a pas été créée par le maître? Ça lui permettait, comme ça, de rabaisser encore plus l'esclave homme? Tout à fait. Je crois qu'effectivement, alors cette hypothèse, je l'avoue, je n'y ai pas pensé, donc elle est excellente, je la retiens. Je crois qu'effectivement, on est dans un système où il s'agit de maintenir son pouvoir. Or, le maître étant numériquement inférieur, doit utiliser tous les moyens pour asseoir. Donc, le fait de laisser les commandeurs libres de satisfaire les besoins sexuels, et le fait justement de mettre la femme dans... Je rappelle d'ailleurs que le code noir reconnaît l'enfant comme étant dans une filiation féminine. C'est la mère qui reconnaît ses enfants, et c'est la mère qui reconnaît. Ce n'est pas le père. Et par conséquent, effectivement, c'est une façon de faire en sorte que l'homme esclave, qui est numériquement plus important, le maintenir dans ce statut d'esclave. Je suis d'accord avec cette hypothèse. La femme antillaise est-elle pudique? Alors, la femme antillaise est pudique, là encore, c'est partie des représentations. C'est vrai que généralement, les femmes parlent peu de sexe. Les femmes n'osent pas parler de sexe, n'osent pas dire leur plaisir sexuel. En fait, ça, c'est du fantasme pur et simple. En effet, quand on écoute les femmes, quand on arrive, je dirais, à gagner leur confiance, elles parlent de façon très libre de leur sexualité et de leur insatisfaction sexuelle, de leur désir, de leur fantasme, et par conséquent, elles n'ont pas ce caractère pudique. Mais c'est vrai que nous continuons à avoir, comme nous continuons à penser que nous ne sommes que des esclaves, parce que je rappelle quand même que les esclaves se sont révoltés. Donc il n'y a pas que des esclaves, d'accord? Et il n'y a pas que des femmes pudiques. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet ouvrage, et Blaise Menjoua l'a bien dit, sortir des préjugés. Sortir des représentations. Et la représentation, effectivement, de cette notion de femme pudique, elle est parce que, pourquoi? Nous avons une image idéalisée. La femme, c'est pas notre femme, c'est la mère. Et par conséquent, on n'imagine même pas notre mère parler de sexualité. Blaise, une question de FMRTL. Alors, je vais revenir sur le chapitre 2 de votre excellent ouvrage. C'est sur les rapports ancillaires, c'est-à-dire le rapport entre maître et servante, vous le définissez vous-même. Hein, vous dites, dans nos sociétés créoles, les relations ancillaires constituent de manière historique l'un des fondements de la société. Et vous développez, dans votre ouvrage, cette relation qui s'est instituée, qui a donné naissance aux mulâtres, et qui va se répéter aujourd'hui, dans nos sociétés aujourd'hui,
par les rapports toujours qui existent, qui sont là, entre le bourgeois qui a une employée de maison. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas là une perpétuation, malheureusement, de la condition de la femme, créole, qui, quel que soit le maître, enfin, ça va être le maître esclavagiste, mmh, ou son patron, subit toujours, mmh, sa condition de femme, de femme noire, de femme. Femme noire, femme. Alors, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de particulier par rapport au statut de la femme dans notre société, mais par contre, cet élément n'est pas spécifique, même si c'est un terme que je n'aime pas. À partir du moment où vous avez un pouvoir, vous pouvez être tenté de l'utiliser et d'en abuser. Et c'est vrai que tout patron, ici ou ailleurs, chez nous, en Occident ou en Orient, à partir du moment où un homme a un pouvoir sur une femme, il peut être tenté d'en user et d'en abuser. Et par conséquent, la notion de bonne, les relations donc ancillaires, c'est d'abord celle qui va permettre de satisfaire nos pulsions sexuelles. Mais tout homme, quel que soit l'endroit du monde où il réside, a des pulsions sexuelles. Et par conséquent, dans le cadre de la femme noire, cette pulsion, la satisfaction des pulsions sexuelles s'inscrit, on l'a dit, celle du maître, celle du commandeur, mais aussi après l'abolition, celle des hommes qui, justement, n'ont pas de femme, vont se jeter sur tout ce qu'ils trouvent, parce qu'il y a vraiment une violence particulière de la femme noire. Mais dans les relations ancillaires, ce qui est particulier, c'est surtout la relation avec les mulâtres et la position particulière que la femme, à mon avis, qui n'est pas aussi seulement quelque chose qu'elle subit. Il y a aussi, à mon avis, un choix où elle dit, mais écoute, être l'objet du maître, être l'objet sexuel du maître, d'accord, mais si ça peut permettre que mes enfants soient libres, il y a comme une sorte de sacrifice que fait la femme noire en acceptant, je dirais, cette violence de l'homme parce que les libres de couleur, qu'on appelle les mulâtres, ont une chance d'échapper à l'esclavage. Je crois qu'il y a aussi un choix de cette femme qui, à mon avis, est honorifique que de dire que je peux... je dis, si moi, je ne peux pas me sauver, d'ailleurs, on parle d'enfants apochappés. Apochappés, oui. Lui sera sauvé. Alors, je vais rebondir sur ça. Dans une de nos enquêtes, dans une émission autre que nous présentons, nous avons rencontré des sociologues, des anthropologues, qui expliquent que l'idéal de l'homme pour la femme créole serait l'homme blanc. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire, l'homme blanc a eu le pouvoir sur elle et que son homme, c'est-à-dire son compagnon noir, ne pouvait pas la défendre. Donc elles ont cette relation. L'anthropologue Harry et Broin. Non. J'oublie le nom, mais enfin, ça reviendra. Qui explique cela? Que c'est pour cela. La femme noire violée, souvent, son compagnon était sous le lit. Il ne pouvait pas la défendre. Est-ce que c'est vrai? Alors, je crois que ça fait partie des thèses que j'ai défendues à dernière époque, aujourd'hui que j'ai rejetées. Pourquoi? Ah, ben expliquez-nous ça. Ben oui. Pourquoi? Parce que je pense que justement, il y avait, à mon sens, une solidarité entre les hommes et les femmes, oui, esclaves, du fait que tous les deux étaient exploités par les maîtres et par les commandeurs. On en convient. Et par conséquent, quand vous êtes exploité, le minimum commun, je vais vous dire, c'est la solidarité pour éviter de continuer d'être exploité. Par ailleurs, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'il y avait une autre exploitation que l'on a oubliée, c'est que les femmes étaient utilisées par les maîtresses comme prostituées. Et par conséquent... Exact. Et par exact. Conséquent... L'homme avait cette position pour pouvoir les protéger. La question de l'homme sur lui, je ne l'ai pas trouvé dans la bibliographie scientifique, parce que ce dont je parle, ouais, c'est sur des références bibliographiques, parce que j'avais moi-même aussi cette pensée que la femme serait finalement violée par tous les hommes qui passeraient à côté d'elle. En réalité, non. L'organisation du système esclavagiste faisait que l'homme n'avait pas accès aussi facilement à une femme et que les relations d'amour qui pouvaient se constituer, oui, permettaient éventuellement des relations sexuelles, mais pas la construction d'une famille. Mais je dirais que compte tenu de cette relation, il n'y avait pas, si vous voulez, la reproduction de la violence du bourreau sur l'esclave et l'esclave homme sur l'esclave femme. Il y avait en fait l'opposition esclave homme et femme face au bourreau que constituait le commandeur et le maître. D'accord. André Jean Vidal, une question de France Anti. Les femmes de chez nous se plaignent souvent que leurs hommes soient des coureurs, qui ne soient pas fidèles. Il y a aussi des femmes infidèles chez nous. Alors, la question de l'infidélité, je regrette d'ailleurs,
mais je peux regretter moi-même parce que je ne l'ai pas fait, les études que j'ai recherchées sur la question de la fidélité, je n'en ai pas trouvé en Guadeloupe. Alors bon, malheureusement, non. Mais vous allez sans doute l'écrire. Mais ce qu'on peut dire, on pourrait d'ailleurs la faire. Bien sûr. Mais ce qu'on a constaté, c'est que de façon générale, sur l'infidélité, il y avait effectivement une infidélité quasiment égale entre les hommes et les femmes. C'est mais par ailleurs, puisqu'on sait que dans la tranche des 35-50 ans, en Guadeloupe et en Martinique, c'est le cas, il y a autant d'hommes que de femmes. Si un homme a deux femmes ou trois femmes, c'est que sa femme est aussi la femme de l'autre. Certainement. Puisque s'il y a... Ben oui, par réciprocité, ouais, je veux dire, bien ben sûr. Oui. Ben sauf si une femme couche avec 10 ou 20 hommes, je veux dire, par conséquent, il bien y a sûr. Une infidélité chez la femme qui est beaucoup bien plus sûr. Discrète, alors que chez l'homme, elle est valorisée. Il y a aussi quelque chose, c'est que, vous allez peut-être me confirmer, il y a plus de femmes que d'hommes en Guadeloupe. Est-ce que c'est vrai? Non, on dit justement qu'il y a trois femmes pour un homme. Non, non. Les statistiques c'est INSEE, dans l'ensemble. Mathématiques, non, la tranche 35-50 ans, vous avez à 400 ou 500 personnes près, autant d'hommes que de femmes. Ça veut dire que si un homme, s'il y a 10 hommes et 10 femmes, si un homme a deux femmes, c'est que dans les 10 femmes, il y a une autre femme qui a des relations avec deux hommes. Sans doute, je veux dire, voilà. Ben oui, mais sauf que on ne veut pas entendre ça. Parce que je dirais que la rigueur mathématique et le côté implacable des mathématiques est insupportable avec la pensée fantasmatique. Je veux continuer à croire que j'ai une femme et deux maîtresses, mais je n'imagine même pas que ma femme pourrait avoir un amant. Donc forcément, si quelqu'un a une maîtresse, c'est la femme d'un autre. Ben, ça met... oui. C'est-à-dire que sa femme est la maîtresse de l'autre. De quelqu'un d'autre. D'où ma prochaine question, justement. Quelle est la place de la maîtresse dans nos sociétés, dans nos départements plus Alors, la place de la maîtresse, vous savez, là encore, ça fait partie des fantasmes, fantasmes et réalités. Fantasmes, il n'y aurait que les Antillais qui seraient infidèles. Ça, c'est faux. On a vu que les études nationales ont montré que les autres hommes sont... C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand certains vont au travail, ben, en fait, ils vont rencontrer leur amant. Quand ils vont sur un piquet de grève à Paris, ils vont rencontrer leur amant. Sauf que nous, ben, ça se fait, comme on dit, en grand. Mais pourquoi justement cet a priori? Pourquoi? Parce que justement, nous sommes, vous savez, vous avez dans l'ordre des machos, vous avez les latins et après vous avez les créoles, dans les plus machos. D'accord? Et pour un macho, c'est pas pensable de ne pas avoir une maîtresse, même s'il n'en a pas. Mais il faut donner l'illusion que l'on a une maîtresse. Et par ailleurs, donc un créole est un macho. L'image qu'on a de l'homme créole, c'est l'image de macho. C'est ce que vous dites. C'est une question de représentation encore. La représentation, voilà. Non, mais alors, surtout, par exemple, l'homme créole va souvent vous dire, vous parlez de ses enfants dehors, alors qu'il n'y en a pas. Mais ça fait bien de dire que j'ai ses enfants dehors. Parce qu'il y a d'un côté la sexualité qui serait avec sa femme, qui serait pour la procréation, et l'autre qui serait avec la maîtresse pour satisfaire, pour son plaisir, pour ses fantasmes. Blaise, une question de l'FMRTL. Parlons précisément de l'infidélité masculine aux Antilles. Vous écrivez dans votre livre, je reprends, c'est la page 39, que l'infidélité de l'homme serait une fidélité à sa propre mère. Mais quel paradoxe! Comment expliquez-vous cela? Eh oui, parce qu'en fait, il y a toujours un sentiment pour l'homme, parce que l'infidélité c'est quoi? C'est d'échapper à la contrainte. Première chose, c'est de croire de manière illusoire que la satisfaction sexuelle serait ailleurs que celle que l'on connaît, oui. C'est demeurer en permanence dans le fantasme. Alors que dans la réalité, la vraie étreinte, la vraie contrainte, la vraie personne à laquelle il n'arrive pas à échapper, c'est sa mère. Et par conséquent, le fait d'être infidèle, c'est de demeurer fidèle à sa mère. C'est-à-dire qu'il échappe à une contrainte pour finalement tomber dans une autre contrainte. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Il n'y a pas une image castratrice de la mère, là, dedans? Justement, le propre de la castration, c'est justement d'être castré par la personne que vous reconnaissez comme la seule castratrice possible, c'est votre mère, et pas votre femme. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a l'illusion d'être libre, alors qu'en fait, on ne l'est pas. L'homme va dire ce qu'il veut à sa femme, mais pas à sa mère. Sa mère va décider de ce qu'il va faire. Sa femme, il fait fi. Voyez, donc on voit bien qu'il y a le niveau. Et ce qui est important, c'est de retrouver la relation à la mère, qui est la véritable femme, finalement, qui n'a jamais cessé d'aimer et à laquelle il se trouve soumis.
Alors, j'ai une question à vous poser avant de vous passer la parole à André-Jean Vidal. La jalousie joue-t-elle un rôle dans nos comportements sexuels? Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Est-elle liée à un manque plutôt de confiance en soi ou est-elle liée à l'appartenance? Alors, si vous voulez, vous avez plusieurs formes de jalousie. La première forme de jalousie, qui est entre guillemets normale, comme tout être humain, nous avons un minimum de narcissisme, mais que savoir qu'on pourrait aimer quelqu'un d'autre que nous est quand même blessant. Donc, en soi, ce n'est pas pathologique. Mmh. Donc, c'est normal, c'est partie du narcissisme. Maintenant, vous avez une autre forme de jalousie, qui est la jalousie pathologique, qui est la notion de l'être, mon compagnon, ma compagne, c'est comme mes lunettes, c'est à moi. À ce moment-là, on va chosifier... L'appartenance, donc. Voilà, on va chosifier la personne, et à ce moment-là, on est dans un sentiment d'appartenance, mais pire, sentiment de contrainte, et ça m'appartient. C'est-à-dire que ça m'appartient, mais un sentiment d'emprise. Donc, par conséquent, on déshumanise la personne pour en faire un objet qui va devenir notre objet de plaisir à nous. Et par conséquent, effectivement, cette deuxième forme est plus pathologique, elle peut aller d'ailleurs jusqu'à la mort. On constate d'ailleurs que dans le cadre des expertises que j'ai eues à réaliser, des hommes ont eu à aller jusqu'à tuer leur femme ou leur maîtresse parce qu'il y avait le sentiment qu'elle refusait ce statut de chose, que leur jalousie faisait qu'il était tellement insupportable qu'elle puisse éventuellement appartenir à un autre qu'il finissait par la tuer. Donc on voit bien que ces deux formes de jalousie sont effectivement... Y a-t-il une jalousie saine ? Ben, la première, parce que je crois qu'effectivement, naturellement, nous avons besoin d'être aimés et de demeurer l'exclusif aux yeux de celles qui nous aiment et que l'on aime, ou inversement, bien sûr. André-Jean Vidal, une question de France Anti. On dit souvent que nous élevons nos enfants, nos garçons, oui, comme des petits coqs de basse-cour, des petits coqs de combat, des... Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'image de mon deuxième livre, la couverture, ça ne vous aura pas échappé. Absolument. Des coqs. Quand on parle de violence, on a justement l'image des coqs de basse-cour pour plusieurs raisons. Mmh. D'abord... On parle bien de l'animal, bien sûr. Oui, alors justement, alors, l'animal, le coq, mais on, alors quand on dit coquet, ce n'est pas le chien, ce n'est pas le coquer, hein, c'est un chien. Non, c'est pas voilà, non, parce que... C'est pas le coquer. Le coq, plusieurs éléments. Je rappelle quand même que c'est quand même surprenant quand on parle de spécificité. Le coq est quand même un symbole éminemment français. Je veux dire, c'est quand même l'un des seuls animaux, comme on dit vulgairement, qui peut chanter alors qu'il a les deux pieds dans la merde. Alors, pour reprendre cette image du créole, cette notion de coq, c'est à la fois quelque chose du l'ordre d'une copulation rapide. Une relation d'un coq, un sexuel chez un coq, c'est à peine 2 secondes. Ça veut dire que quelque part, on sous-entend que l'homme entier serait un éjaculateur précoce. Pourtant, ça, dans la notion de coquet. Dans la notion de coq aussi, c'est celui qui parade, celui qui montre ses muscles. Comme si dans la relation amoureuse, il y a une notion de séduction aussi dans le coq, il y a cet attrait. La troisième chose, dans l'image du coq toujours, il y a une relation de pouvoir, c'est-à-dire que c'est celui qui a les poulettes. D'ailleurs, l'expression créole classique, c'est « je lâche mon coq, rentrez vos poulettes ». Donc on a effectivement cette notion du coq encore très très présente. Il y a le coq combattant aussi. Le coq de combat, alors je rappelle quand même que ça fait partie des choses qui, encore aujourd'hui, ont encore, malgré les discussions, les remarques, etc., sont encore très, très présentes. Les combats de coq demeurent encore très, très présents, parce que c'est partie des traits forts de notre culture. L'opposition est quelque chose d'extrêmement important. Et les enfants, pardon, les enfants sont élevés comme ça, élevés dans cette optique-là? Alors, d'être des petits coqs? De moins en moins, certes. De moins en moins certes, mais c'est d'accord, vrai qu'on a, en tout cas, même si les garçons sont moins élevés comme des coqs de combat, les filles sont toujours élevées avec une certaine rigueur, celle de tenir un foyer et d'élever des enfants. Les garçons ne sont pas élevés comme des coqs de combat, mais ne sont pas encore élevés pour être responsables et avoir des rôles de responsabilité et tenir un foyer. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je pense que là, il y a quelque chose qui nous manque. Blaise, une question de FMRTL. Alors, justement, puisqu'on parle de coq dans la basse-cour, vous faites allusion dans votre ouvrage, page 35, à l'image du berger, et vous faites un lien entre l'image du berger et le coureur de jupons invétéré que serait l'homme créole. Cette image n'est-elle pas inappropriée? C'est comme associer le vice à la vertu. Oui, c'est vrai. Mais comme vous le savez, je ne suis pas un paradoxe près. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la réalité est tellement complexe que ce qui semble être opposé est en réalité en lien. Pourquoi? Parce que quand un comportement perdure, c'est parce qu'il a une fonction, un intérêt.
rien de ce qui perdure n'est inutile, sinon ça disparaîtrait. Je crois qu'à l'opérationnalisation des concepts et des comportements. Et par conséquent, il y a effectivement cette notion de coq, de combat. Si ça continue, si l'homme a besoin de se percevoir comme ça, c'est parce que la fonction religieuse de celui qui mène son troupeau est encore tellement ancrée, et que s'il se change, il se met dans la pose du Messie, il laisse celle du coq, alors c'est valorisé, alors il aura le sentiment que non pas d'avoir des maîtresses et des enfants dehors, mais de mener ces agneaux. C'est que j'ai du mal à voir vers quelle scatologie il nous amène, quoi, ce berger, auquel vous comparez l'homme créole coureur du jupon. Voilà, c'est tout. Alors, également, on parle de sorcellerie. La sorcellerie est-elle une pratique courante dans les rapports sexuels aux Antilles? Alors, ce que j'ai constaté de ma pratique, c'est que habituellement, on contournait la sorcellerie comme étant une pratique qu'on vont utiliser les femmes qui sont d'un milieu un petit peu aisé ou moins aisé que celui de l'homme qu'elles convoitent, et qu'elles vont utiliser la sorcellerie pour essayer de faire en sorte de le conquérir. Ça, c'est l'image habituelle. En réalité, on se rend compte... Ça, c'est par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Mais on se rend compte qu'en réalité, il y a un autre mouvement. Non seulement les femmes ont le sentiment que ça va marcher, donc elles ont recours à la sorcellerie, que ça marche ou pas, c'est-à-dire c'est pas là qu'il le débat, mais elles vont avoir recours à cette pratique. Mais ce que je constate aussi, c'est que l'homme, la famille de l'homme, va avoir recours à la même pratique pour désenvoûter ce qui a son été fils. Fait. Voilà. Genre une femme attache l'homme par son slip, et l'homme, au contraire, fait des choses pour pas qu'elle soit... Voilà. La famille, donc l'homme va faire en sorte pour justement qu'il soit... Mais en réalité, ce qui se montre derrière cette sorcellerie, c'est qu'au-delà des pratiques de la sorcellerie, il s'agit simplement, et la sorcellerie a cette fonction, de rétablir, je dirais, les statuts sociaux. Parce que derrière cette notion de sorcellerie, si je veux séduire un homme qui a un statut plus élevé que le mien, je veux faire fonctionner l'échelle sociale. Et la sorcellerie empêche que l'échelle sociale ne fonctionne. Par conséquent, ce mode de fonctionnement dont on dit qu'il est magique et qui doit permettre d'avoir des pouvoirs au-delà de ce que nous sommes réellement, en réalité, est un marqueur social. Et la sorcellerie permet de maintenir les liens sociaux, faire en sorte que, d'une part, la fille n'arrive pas à séduire celui qui serait d'un statut social élevé, et la famille va faire en sorte qu'elle ne vienne pas, ne prenne pas l'ascenseur pour arriver à son niveau. Et on constate d'ailleurs que même après le mariage, quand ils n'ont pas réussi, la famille va continuer à avoir des comportements pour faire en sorte que l'homme se sépare de cette femme, pour faire en sorte qu'elle le protège, parce qu'il existe le sentiment que les liens sociaux sont indissolublement, je dirais, liés au statut social, est quand même extrêmement fort. Et je trouve que cette vision, me semble-t-il, est assez nouvelle. Parce qu'on a parlé de la sorcellerie en termes de « j'y crois » ou « je n'y crois pas », mais en fait, je dis que ça a une fonction sociale. Et c'est pour ça qu'elle s'est opérant. C'est pour ça que ça marche encore aujourd'hui. Parce que ça a une fonction sociale, psychologique aussi Une fonction psychologique aussi. Pourquoi? Parce que si la femme sait qu'elle est aidée, qu'elle a un pouvoir sur l'homme et qu'elle peut le séduire, alors elle se sent plus forte. Par rapport à un concurrent aussi, peut-être? Bien évidemment, par rapport à un concurrent, mais et aussi l'homme qui, dans cette situation, voit qu'il est reconnu. Parce que ce qu'il faut noter, que là, il y a d'un côté la sorcellerie de la famille de la femme et de la famille de l'homme, mais pas de l'homme lui-même. Lui, il est séduit par cette femme qu'il trouve géniale et qu'il adore et qu'il a envie, je dirais, de courtiser et dans laquelle il se sent bien, parce qu'il est bien accueilli. Autrement dit, c'est le phénomène de la société ne concerne pas l'individu lui-même, c'est la pression sociale de sa famille sur lui. Mais lui-même, il n'est pas du tout concerné par ce genre de choses, et il est, lui, dans la justesse de l'amour et des relations humaines. Une dernière question de France Anti avant de passer à la prochaine rubrique. Vous abordez dans votre ouvrage les qualités et défauts réels ou supposés des hommes de chez nous qu'on dit expéditifs dans leur approche. Qu'en est-il, en fait? Alors, oui, c'est vrai que l'on a systématiquement, de l'encore la regard, question un, du fantasme, le sentiment que, d'un côté, la notion du coq, les hommes antillais passeraient leur temps à coquer, c'est-à-dire faire vite, vite, vite la chose pour pouvoir finir et passer à une autre, et que d'autre côté, les hommes qui seraient originaires de l'Hexagone ou de l'Occident prendraient le temps, les préliminaires, la douche, tout ça. Ça encore, c'est la représentation. C'est-à-dire que quand on veut idéaliser une relation, on va dire que celui que l'on aime a toutes les qualités du monde, même s'il est exactement aussi performant que l'autre et fait exactement pareil. Mais comme il y a la représentation de l'homme blanc comme étant celui qui possède effectivement ses qualités, et par conséquent, on est dans un fantasme pur et simple. Parce que j'explique bien que la notion des préliminaires n'est pas liée à la couleur de la peau.
n'est-ce pas là réellement ce que je disais, Harry Boussillon, hein, cet anthropologue, qui disait que l'idéal de l'homme parfait pour la femme créole serait l'homme blanc, du fait de cette idéalisation précisément de... En partie. Est-ce que ce n'est pas inconscient? Voilà. C'est inconscient. La notion de mais c'est évident. Dans la représentation collective, Harry Boussillon a raison là-dessus, il y a un problème. C'est effectivement l'image qui est véhiculée. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Oui, bien sûr. Mais c'est dans l'inconscient collectif qu'on prend Guillaume. L'homme blanc est-il en fait un bourreau inconscient? L'homme blanc est-il un bourreau inconscient? Alors ça, c'est une question intéressante. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, vous savez, nous sommes tous des bourreaux qui ignorons que nous le sommes. Vous devenez bourreau à partir du moment où vous prenez plaisir à la souffrance de l'autre et à asservir l'autre en votre pouvoir, quelle que soit votre couleur de peau. Par conséquent, à partir du moment où l'homme blanc demeure dans ce statut, automatiquement, il devient un bourreau. Mais ça peut être vrai pour l'homme noir. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut noter. Pour l'homme tout court. Voilà, il ne faut pas l'associer à une couleur de peau, mais d'abord à une représentation de l'autre et de la relation amoureuse. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants et qui va se déclencher. Et vous avez moins de 5 minutes, monsieur Hérol, pour répondre à un maximum de questions. Alors, tout de suite, c'est parti. Top chrono. Vous avez 5 minutes. On commence par une première question pour François. Oui, les contraires s'attirent. On part jouer ici. Devine qui vient dîner ce soir avec Sidney Poitier et la blonde Catherine Houghton en couple d'avant-garde en but aux racines ordinaires. Regarde-t-on toujours de la même façon les couples mixtes? Oui, je crois que les choses ne changent pas malheureusement, même s'il y a une légère évolution. Mais oui, et d'ailleurs, je trouve que ce film est excellent. Oui, il est bien magnifique. Un film sur la tolérance. Et magnifique. Sur Mais attendez. On les regarde de la même façon? Je crois qu'on les regarde de la même façon, heureusement. Heureusement, parce que justement, oui, ceux qui sont dans la notion de l'impossible les regardent comme impossibles, et ceux qui pensent qu'on peut rêver d'une autre relation restent toujours les mêmes. D'accord. Blaise Menjiwa, une question de FMRTL. La relation paradoxale homme-femme antillaise. Je retire un texte de votre livre. Je ne peux même pas envisager l'idée de tomber amoureux de toi, dit l'homme à la femme. Comment expliquer ce paradoxe, cette relation paradoxale homme-femme? Oui, ça c'est dans le chapitre « Aimer au bon chien, aimer coup de roche ». Exact. Donc c'est effectivement, oui, parce que justement, il y a cette peur de tomber amoureux et de demeurer dans le pouvoir de l'autre. Il y a cette impossibilité pour l'homme d'accepter d'être dans le pouvoir de l'autre, parce que là, c'est l'inconscient de l'ancien esclave qui parle. Être sous la coupe, sous la contrainte, sous la domination de quelqu'un, c'est devenir esclave. Pour moi, c'est insupportable. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le fait aussi que certains hommes n'aient pas coupé le lien ombilical avec la mère? Alors, je pense que là, par contre, il y a un élément qui est supplémentaire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a une notion de collectivité, de l'inconscient collectif par rapport à cette notion de l'esclave et de la dépendance et de la soumission, alors que dans le cadre de la mère, c'est davantage la notion de rendre des comptes. D'accord, on est plus dans la notion de celle que l'on va séduire, celle que l'on doit séduire et celle que l'on, à qui on doit plaire. D'accord. Il nous reste exactement 3 minutes. Une question de France Anti. Vous êtes expert judiciaire. L'inceste est assez fréquent en correctionnel. Qu'est-ce qui fait que l'homme a cette volonté de goûter en premier aux fruits qu'il a produits? Alors, d'abord, je crois que, contrairement à ce qu'on affirme, je sais que dans la cour d'assises, les avocats me racontent que dans certaines peuplades, etc. Ça, bon, quand même, pas mal évolué. La première, c'est ce sentiment de possession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous estimez que, tout comme on l'a dit tout à l'heure dans la jalousie, que votre enfant et votre objet vous appartiennent, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors que si vous voulez votre enfant dans le respect de sa personne et savoir que demain, ce sera un adulte responsable, alors vous ne vous emparez pas de votre enfant comme d'un objet. Mais c'est la chosification qui fait qu'on devient effectivement dans une situation d'inceste qui existe chez nous comme ailleurs. Bien Les sûr. Chiffres ne sont pas plus importants chez nous qu'ailleurs. Il nous reste exactement 2 minutes. Le carnaval est-il un moment important dans les rapports sexuels aux Antilles? Oui, d'abord, statistiquement, puisqu'on sait qu'au mois de septembre-octobre, on va avoir les bébés carnaval, c'est-à-dire que les enfants nés conçus pendant la période du carnaval, on a une augmentation significative du nombre de naissances à cette période, donc bébés carnaval, dans toutes les maternités des Antilles et en partie de l'Hexagone, notamment vers Nice. Grâce au carnaval. Grâce au carnaval.
Deuxième chose, effectivement, par rapport à la question de la sexualité, c'est le moment où l'homosexualité va s'exprimer. Où on va accepter ce qui est fortement réprouvé habituellement dans une société quand même où l'image de l'homme est assez machiste. L'homme se déguise en femme. L'homme se déguise en femme, on le voit d'ailleurs plus en Martinique qu'en Guadeloupe, mais dans les deux cas, c'est effectivement donc accepté. Oui. Il nous reste 1 minute 17, une question de EFMRTL. J'allais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport aux avocats en cour d'assises qui parlent d'inceste sans certainement avoir lu Lévi-Strauss. 1 minute. Oui. C'est un tabou universel dans toutes les sociétés, dans toutes les périodes de l'histoire humaine. Voilà. Une question de France Antille, il nous reste 50 secondes. Qu'est-ce qui reste dans l'esprit de la femme d'aujourd'hui, du 21e siècle, de tous ces combats, de toutes ces horreurs qu'elles ont connues, qu'ont connues leurs arrière-grand-mères? Oui. Qu'est-ce qui reste? Alors, ce qui reste aujourd'hui, c'est d'abord la notion de fierté et de dignité. Je crois que les femmes, chez nous, sont élevées dans cette notion de responsabilité, être digne et d'autonomie. D'ailleurs, on dit encore aux femmes, sous une autre forme, que ton premier mari, c'est ton mandat, c'est ton salaire, c'est quelque chose que tu veux. Donc, la notion, il faut être autonome financièrement pour pouvoir s'assumer. Donc, c'est ce qui reste depuis des générations. Voilà. Bon, une dernière question, il nous reste 10 secondes, ça ne fait rien si on dépasse un peu. Pourquoi aux Antilles a-t-on peur de l'homosexualité? Alors, on a peur parce que, vous savez, dans toutes les sociétés où l'homme est considéré comme étant viril et puissant, la notion de mâle dominant, on ne peut même pas imaginer qu'on pourrait avoir des relations homosexuelles, parce que l'image homosexuelle est l'image du faible, alors que chez les Grecs, au contraire, c'est l'image de celui qui instruit, de celui qui apprend, de celui qui éduque. Mais chez nous, elle demeure encore associée. Et puis, le poids de la religion, je rappelle quand même que Sodome et Gomorre interdit à Lot de se retourner, parce que justement, il va être transformé en statue de ciel. Donc on voit bien le poids de la religion dans notre société, vu que l'homosexualité n'est pas acceptable, du fait de cette religion. Religion païenne. Alors, religion, non. Parce que vous avez le carnaval, c'est plutôt païen. Ah oui, vous faites référence à l'Antiquité. Le carnaval, c'est plutôt païen, mais avec une fonction d'exutoire, parce qu'il faut effectivement se libérer, avec une fonction de reconstruction, on va revivre des éléments de la vie importants, et c'est cette rumination dont je parle dans mon ouvrage, un peu comme on fait certains herbivores, on reprend, on ressasse, on remâche, et on va ensuite transformer pour aller plus loin. Ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas des gens qui haïssons sur un coup de sang, sur un coup de colère, nous avons les capacités de ruminer, d'élaborer, de construire pour ensuite transformer. Donc le carnaval sert à ça. D'ailleurs, le carême commence, il me semble, beaucoup plus tard en Guadeloupe. Oui, le carême ne commence pas beaucoup plus tard. Le carême commence dès le jeudi qui suit le mercredi décembre, c'est-à-dire que dès le lendemain. Donc en fait, c'est la durée, parce qu'on est toujours sur la notion des 40 jours par rapport au déluge 40 jours, 48. Mais par conséquent, effectivement, et la mi-carême vient toujours rompre autour du 20e jour, effectivement, cette période de carême. Donc une petite période de carême qui vit une période qui va... Parce que après le faste, après la débauche, après l'excès, il faut une période de tempérance. Et le carême vient effectivement dans cette tempérance. Eh bien, merci, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV, l'émission continue juste après cette petite pause.